La mission de la Banque alimentaire consiste à récupérer ce qui partirait d'une part à la poubelle comme irrécupérable et invendable par les supermarchés, mais qui sont quand même consommables pour en faire bénéficier les personnes qui sont en situation difficile. Les produits qui sont ramassés le matin sont remis aux associations en tout début d'après-midi, et pour beaucoup d'associations, les mêmes produits ramassés le matin sont remis aux bénéficiaires le soir même. Ce dispositif d'aide alimentaire itinérante nous permettra de créer des associations comme ça s'est passé à Ganges. Une association a été créée qui sert au jour d'aujourd'hui, après 2 mois de fonctionnement, à peu près 70 personnes chaque semaine. Également, nous permettra de faire de la ramasse, c'est ce qu'on appelle dans les supermarchés pour récolter des denrées alimentaires, et dispatcher en direct, sans revenir à la banque alimentaire, aux associations qui seront sur le circuit et qui permettront de mieux couvrir le territoire. Et courant 2017, nous allons nous développer sur des zones qui sont beaucoup plus lointaines et encore plus isolées, où il y a encore moins de dispositifs d'aide alimentaire. Et on aura fait un gros progrès, d'une part sur le volet lutte contre le gaspillage alimentaire, et d'autre part sur le volet aide alimentaire aux personnes en situation de précarité.